l'histoire coloniale de cette région a été très difficile, aussi bien pour les Européens que pour les Autochtones. Il disait, pour ces populations-là, on a besoin de leur soumission et non pas de leur affection. On subissait quoi. En un mot, c'est la soumission totale. Si c'est Kurebo, c'est Kurebo de Boulogne. En route, un des porteurs est mort de maladie. Un autre, qui était mourant, qui ne pouvait même plus se tenir sur un bourricot et qu'il aurait fallu par conséquent abandonner dans la brousse, a été achevé d'un coup de revolver. J'ai pu faire rattraper environ une dizaine de porteurs qui, en cours de route, ont abandonné leur charge pour prendre la fuite. Ceux-là ont été exécutés, généralement par les tirailleurs et en tout cas jamais par moi. Yeah, Rousseau, sir.
À mon avis, rien ne vaudra au moment des négociations pour la délimitation franco-anglaise une occupation effective. Quant au lobby, il nous a été impossible jusqu'ici d'entrer pacifiquement en relation avec eux. Les rares indigènes de cette race primitive qui sont venus à Diébougou ne s'y sont décidés qu'après avoir vu faire un exemple sur un de leurs villages. Leur prétendue soumission a d'ailleurs été toute platonique. Ils se sont présentés, je leur ai demandé pour la forme 3 ou 4 porteurs et un peu de mille. Depuis, ils n'ont rien fourni et n'ont pas reparu. Dans le lobby, je ne vois pas comment, ni avec qui, je pourrais passer des traités. Ces sauvages se sauvent à notre approche et n'apparaissent de temps à autre que pour vous tirer des flèches empoisonnées. À défaut d'autre chose, on dessinera les itinéraires parcourus comme preuve que nous serons allés les premiers dans les pays traversés. Ils sont arrivés tout simplement dans des populations dont la structure sociale les déroutait. En ce sens que sur le plateau Mossi et ailleurs, ils ont rencontré des sociétés structurées à États, avec des royaumes, des empires ou des chefferies. Tandis que dans ces régions, ce sont des sociétés lignagères basées sur les matriclans, les patrilignages. Et il n'y avait pas de point d'ancrage, de point de prise. Ils ne savaient pas très bien vers qui est-ce qui devait transmettre les ordres. Vous savez, chez nous ici, le lobby n'a pas de chef. Hein. Non, non, non. Le vrai chef là, qu'on dit chef comme au plateau là, le lobby ne connaît pas ça. Nous, nous avons des chefs coutumiers. D'abord, quand on a ordre. Typique, un son sauveur de vie à mettre dans une pile et une douane de l'Isa Miasi. Il me fait quand il a un tibna et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi ça? Fin, un gars, d'un gars, on a dormi, car on a oublié le mien dans l'ordre du chota. C'est pourquoi vous pouvez voir mes filles. Si, maintenant, il est timide. Mami, que c'est un fan d'un gommi, de blé. Maman, Rohamke. Oh, vraiment, à te que Mais ça, c'est un peu comme ça. Sinene ndi hanta akira kam min hara wodawe sibi sanali toni kimne ina aje agi gbe ndahle
Aye, dinan ka tete wa simina ir bibir sina mi ina ala sinya tete na atete na semana odona nya tete na atete na ninya na wela oja anyika yere yune ko no ganga yune o pfo yere nyaka mambibo nwa tu kwiro ala ma isimin wa cha kwaro unan luna sese ba ma wo sene ulun wa luru wala me ayir na sana ira yi biblio atun juja ka obi je suis persuadé que l'on pourrait obtenir la soumission de la plus grande partie des villages lobby sinon tous sans employer la force qui dans la plupart des cas ne donne aucun résultat appréciable et toujours ruine le pays. Amene anempla na wakpe ben nimple ichengina amena nimpla na wa aunu bibira bayila nimpla mankpe re ona anempla malba atauna akasena jinana akabayi ina ba jodo atauna nju atauna nju ba jodo na ba jina anempla jina ni ba bibia mene ba letere bondira dere ogontane on a boro holba a ala baletere bundira aba jonsio a bensio ba barinka yir me ba jurba dan lanani jangoba to sole aba jodon cha deba an nisas jion jina len wo boy a apeme bana yena in kwa dable a dable wo ban kona ayi nre na cheno jabin ba bana jo a ulo amangberu na par in cho ipul blitor ti palma yo aba kwa ulo ne bon baju na bam e do na ben me asi ni be ben nan bale on dole in yo juobe ina ba iru wopta wo ba yela ja le 11 din na sort na ba kin mun ban kin a jo futele le su na hin paroda aba fi jaba su ur in yela no ta nim pele kin a o ira wiye pele ba wa u yela po ba ba wan mama aba ku wela mama wan u yela ba jetini ba ja aba jetini o yaba ona ben puruba a kona tereba abo on a ben kin ta jie kan a i ba a po kan nyena jukobo betoale a po yela meno ben lo i jukobo abo kin yela ba ure ndire juna ulen be welo ja u yela ba jette ne ba ja in sor yikwere no mo soru bibir yikwere na soru bibir abo soru bibir wa kin nya a bibita a wonta uni damboli man bibir nci anin pla chin ayu anin pla wa jina don anin pla wa le chin jina jiu nan dan jina na ale dare a jofute u yela a hin poro u de no pla no nara pla no pera pla
Les premiers jours de l'occupation de Gawa et les premières opérations de ravitaillement se firent sans difficulté. Et les villageois immédiatement voisins commencèrent à apporter au bivouac quelques paniers de mil et quelques animaux représentant environ un cinquième de ce qui leur était demandé. Mais bientôt, les difficultés et les refus d'obéissance ne tardèrent pas à se produire. Très jeune, de boulot jeune. Un coup jeune de haut, n'est que couleur ni jeune à couleur jeune. D'où il en a des amis de cacoucougue, d'où il en a des. Na, d'où gal, a dina, a ina a cook, a half fonctionnaire. Nana colvinjan. D'où gal a père. Do key up an a hitting. I in a house do one cook boy to one to go with Les reconnaissances sont assez mal reçues. À Niobini, les cavaliers de pointe tombent dans une embuscade tendue par les lobbies à l'aide d'essaims d'abeilles mises en furie. Trois cavaliers sont mis hors de service pour plusieurs jours et perdent leur monture qu'on ne retrouve que deux jours après. Bien que de beaucoup les plus forts, nous ne leur voulons pas de mal. Ils ont tout intérêt à se soumettre à nos volontés qui n'ont rien d'excessif ni d'exagéré, puisque toute tentative sérieuse de rébellion et d'agression de leur part est immédiatement réprimée d'une façon absolue et sévère, sans perte appréciable pour nous. Mais voilà, regardez d'abord, voilà, regardez, regardez,
Bon, au terre à bampan, tu auras un yorn à neveu. Yorn à neveu. Eh, à bimpan tababon, non. À balman bal in gano. Ata numbumina. À babaraba. En résumé, au cours de toutes les opérations de la campagne 1901-1902 dans le cercle du lobby, la quantité de munitions consommées s'élève à 47 coups de canon de 80 mm, 18 162 cartouches modèle 1879, 285 cartouches modèle 1886. Les pertes subies ont été de un tirailleur noyé au passage du Bougouriba, un fantassin auxiliaire tué à Bougné, plus deux blessés morts des suites de leurs blessures, deux porteurs, trois chevaux. Les pertes infligées aux rebelles ont été d'environ 220 tués et 40 blessés. En résumé, la campagne 1901-1902 dans le cercle du lobby a été fructueuse en résultats palpables. Mais s'il a été fait beaucoup, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup plus encore qu'il n'a été fait. Alona tirenke na hana ni tira tirenke ngala ni pe wongo 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 ke waro pesa tangba besi si jadan tintin tangba besi gal dana e agbovi du tisili agbovi agala ape kongura ka kafe lo disi kun kafe Afukun ada hikben jere a se fa pona ubir kwai fo fu hikben jere na fo pona fo juna fo de fo pe machine wuri wuri mena gi wuri wuri mena de tibla dia ne tibla do chale meme so a di kakiri ha bi jan ban si nyo si sin tor la ke ni chulo a chulo nuna e fo na santo na ba wo ya fo wo bi lu je a chu po a shi ne chin na tun a ba ya shi a chu funa mare wo bi e nuna e a chu po funa mare wo bi e nuna e shi ne e wo bi e nuna e wo bi e nuna e shi ne e a shi e wo bi ti na nu fo biro shi ne e en shi ala ban pam par shi a shi ma lo chu a nuna e ina bu ma ra se wa nya ha we do shi e bu bon a shi pangwa do ba se ka no Apa pun jela, asih million bayar sih. Aje luji aje bayar sih. Luji ni boleh boleh tak kok? Mac jela buat jela ni. Tengok lor, nak kau. Abu mungkin perlu. Ewal ba, apa kita ba? Cape lebih ni yang perlu yang kau ni. Je ne sais pas si tu es un homme.
Do has a bad job, baby. There will be the madam, madam. La vengeance, c'est l'oubli. Quand tu lui fais un mal, il faut qu'il le rembourse. Ce qui fait la perpétuelle confrontation entre eux. Parce que même si tu lui fais, tu fais un mal à un lobby, qu'on tue un enfant, qu'on tue un homme, eh bien, si le père meurt, la femme prend la flèche. Deux fois, elle prend la flèche, elle garde jusqu'à son fils grandisse, et puis elle lui explique l'objet de sa mort, de la mort de son père. En devoir, il doit le venger. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer, mais il faut qu'il venge son père. Bambara lori ti bantun tunta me ti ba yanannere na ibajusa sato uuruba aburumbe wa balne peliji bande mina uro ume yere ti demina bala ala shuwa ba ira ten 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 atendum tendum tendum bon ban ira tendum tendum ala na ala ya burunwa ta ba ira jaman na ba bina abani sho po timbo a bon pan wa ne peliji a bande abi na ban pan yi mina jaman ah bin panta a jaman min bo po sande no wani ani plan nan le ku ba shan ban shi a ban bo lo bar por sande amma mi lo ke a ena pola por sande mun yi mun mun mo ba mi ura ingan imbe ti a bi japan yo sikin chezina a pan yo sikin manya ne be ba japo ser ikin se jamon dik yira gbal po an ko no po si po le be su su a si su a si ne be ko ro nu to li jen fi yen be un jamana gbal po sen gbal a fo mo wo la no a han fo ba a do ni ko ra fo a fui a don don fo a person di janjana mino e so on funu di jeru na pogun po a don wa kuru mi na yi
Banfan Quenati, Abaya Bamala Fanga, Abanyo Lun Monkin, Abanyo Lunkini, de Qua Jamana, Jamana Ban de Qua Nimpla, a commander. One ban yer be dit il aba po. Coupin, coupon. Coupon. Coupin, coupin, madame, tu as ça. Train one de Vichine. A woulan be là, a woulan finir, woulan kiri un goût, bobby. A wulen bu bobi lu ha a ku lu pa ha mo de chen yon ka jo bo mo de chen yon ka jo bo o mo la ku mo che le chu lu ha o che le wa ku lu o ya fo bo se o jo fo ya fo bo se chen e lo ngwa ka jo bo ah man di bi lu ma ni pla o je ka ni pla o ku na da fu la o mo ya ka ku ma na wa a bra ya ku ma na bo ma bo la ku pe Dès la prise de commandement, j'ai été amené à remarquer et à signaler que si dans bien des cas les détenus supportent leur peine avec une indifférence absolue, certains d'entre eux en paraissent affectés si profondément qu'une issue fatale se produit au bout de quelques mois. Les docteurs Lecousse et Hébert, médecins en service dans le cercle, ont été frappés des nombreux cas d'épuisement physiologique qui se sont produits dans ces dernières années chez les prisonniers et ont amené la mort après un affaiblissement progressif de plusieurs mois. Bon, tu m'as mené dimanche bibir. Tu m'as banni belle année. Nava yada, bashu a shu, baradambe, adi derada, banama pour un bamie, fin. Abati a da de yinal. Tabapan y a un bandi. Je suis à Gongura, à la Gavona, à Mongoana, à la Gavona, à la Gavona. Nava kini ya.
Vous savez, chez nous, la rancœur. La rancœur face à ça, là, c'est grave. Hein? Et il y a beaucoup de risques dans la présentation de ces photos-là. Il est difficile de parler son propre père, hein, c'est difficile, même en bien ou en mal. Je sais que c'était un homme très intègre, qui a du caractère. Peut-être que cela est dû à ce qu'il a fait l'armée, je n'en sais rien. Mais il était dur, difficile, dur pour lui-même et dur pour tout le monde. Il n'aime pas la facilité, il n'aime pas la corruption. Tous ceux qui étaient rebelles ici ont été nommés chefs de canton. On les a intégrés dans la chefferie pour en tout cas apaiser le climat. Ils n'aiment pas les combinaisons. Ils s'insurgent contre l'injustice, la spoliation. Il est contre les chefs qui pillent. Les chefs de canton même ont contribué, n'est-ce pas, à polluer une bonne partie de nos coutumes. Ah oui. La fatalité, il n'aime pas. Il aime beaucoup le travail, et le grand travail immense. C'est quelqu'un qui travaille sans arrêt. Je peux même dire qu'il est mort de fatigue. Le chef de canton nous a été imposé par le colon. Il nous a été imposé. Sangolo Lobi ne connaît pas le chef de canton. C'est le chef coutumier qu'on connaît. Chef de village, tout ça là, tout ça c'est le blanc qui a amené. Le chef de canton est un peu, c'est une organisation administrative qui, c'est l'auxiliaire de l'administrateur colon. Parce que quand le colonisateur est rentré ici, bon, les chefs coutumiers ont eu peur et ils ont reculé, ils ne se sont pas signalés. Donc pour commander aux populations, c'était difficile. Ils ont donc organisé les chefs en nommant d'autres à leur place. En tout cas, moi, je regrette d'être secrétaire à l'époque. Je ne savais pas que c'était comme ça, puisqu'on est mal vu.
tout ce que on ne fait pas, on dit que c'est le secrétaire. On était mal vu en tout cas. J'ai aidé mon papa à faire rentrer les impôts. Ah, mais c'est puisque s'il faut prendre l'argent et le donner à quelqu'un comme ça. Oui, c'est pas facile. Il paye malgré. Mais comme il y a des récalcitrants aussi, qui en ont, mais seulement qui ne veulent pas, il faut qu'on les chauffe. Si on ne les chauffe pas, ils ne payent pas. Mais trop de puissance au chef, comme ça, ce n'était pas bien aussi. Ça leur a permis de faire toutes sortes d'exactions. Ils étaient cautionnés par l'administration coloniale. Si nous voulons dire même réellement les choses, le colon par lui-même ne frappait pas. Non. Ce sont nos frères chefs de canton, représentants, gardes et autres qui frappaient. Mais eux aussi, ils recevaient des ordres. Ils recevaient des ordres pour le faire. Mais si c'est maintenant un ordre qui n'est pas correct, on ne va pas l'exécuter. Mais avant, vous étiez obligé de l'exécuter, littéralement, comme des militaires. Sans hésitation ni murmure. Le chef qui allait s'opposer à cela, il était démis de ses fonctions. Mais lui qui a eu l'occasion de prendre la cravate et faire chicoter des gens, est-ce qu'il va accepter qu'on lui reprenne, son titre de chef de canton là et puis le donner à ceux qu'il a déjà cravaché? C'est pourquoi ils exécutaient aveuglément tous les ordres d'administration coloniale. Demain, mais il est mère de but à former. Ahe de boulot. Fanga fa l'anabwa. Afubo ta wa befidu wa kure. Bon, après la balangana fopoka, afou ma chou, la lente va fouper chen bébé, il est pas chené, afou même, à monton en yahona, caban jambar, ben jouf, une bimbi, et become monton po. À monton en hompo. Caban jay a balay ya nim berena, na ya dikina, ban janka barn poti, ben louf, une bimbi, et become. Bon, d'une intelligence in Chicana. One fac went up. Bon, d'une game, oui. De boulot, tu veux dire, t'en as de ton affaire. Ça se voit dans le monde. Tu te dis, de boulot, qu'on a d'un barrac. C'est le faux mame. Ah, hein? Bog, d'ailleurs, qu'elle me connaît. D'ailleurs, il y a des cas affectifs. Des gars. Donc, on a un boulot, on a un boulot. Et si on a un boulot, on a fait un boulot. On a fait un boulot. Il m'a dit que je suis bon, je suis un peu plus tard. 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 Je suis un si il est galanné, un beau guillin ami. Assurez de bloc, de one est attenté de show, au carrier de bloc, ou un ennemi de bloc, bien hacké, one anand de Nigeria. Yermi ya. Jean, when you fait me at me, il est donné to me pour gala d'avoir à l'aide.
qu'on peut comprendre qu'elle ne dise rien ou bien qu'elle dise très très peu de choses, parce que si elle le dit, ça va peut-être encore ressusciter des oppositions entre son matriclan et le matriclan de son mari, parce que quand même il y a eu mort d'homme et ainsi de suite. Ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire le rapt dont elle a été l'objet. Et après, le fait d'avoir accepté de garder un enfant d'Européen et l'ostracisme dont elle a souffert, et elle et sa mère et une partie de sa famille. Et c'était quand même pour eux une sorte de honte, entre guillemets. C'était comme s'ils collaboraient quelque part en acceptant de donner vie à un enfant d'Européen. Et comme les lobbies disent, on ne peut pas entretenir un enfant de blancs qui ont tué et pendu nos parents. Donc c'est assez douloureux et elle l'a vécu dans son corps, elle est à moitié sourde. Et ça provient de cette époque où elle a suivi beaucoup de sévices. Et même aujourd'hui, c'est une histoire qui la poursuit et qu'elle vit très très difficilement. Bon, mon papa, c'est d'Abialgité. D'Abialgité, il était cuisinier, voilà. Il était sur cette colline, il faisait la cuisine avec les Blancs. Mais il a eu un seul problème avec un capitaine de l'époque qui était là. Alors le capitaine, n'est-ce pas, s'était marié à une Africaine, c'est-à-dire une lobby. Bon, mon papa qui était jeune à l'époque, quand le commandant sortait, bon, il entrait en relation avec, n'est-ce pas, cette femme-là. Et après, la femme prend grossesse. Bon, son patron l'appelle, il dit, mais comment ça? Je sais que c'est pas moi. Bon, dis-moi la vérité. Bon, les deux premiers jours, il a nié. Qui n'était pas l'auteur. Mais le troisième jour, il a reconnu qu'effectivement, il avait eu des relations avec la femme. Bon, eh bien, son patron lui a dit, bon, comme elle a engrossé, elle n'a pas encore accouché, on va attendre pour voir si ça donne un blanc, c'est moi. Si ça donne un noir, c'est toi. Alors, quand la femme a accouché, effectivement, c'était une noire, c'était une fille. Bon, le blanc dit, ah, tu as vu, hein? Donc c'est toi. Bon, et là, son patron l'aimait beaucoup, à cause de son travail. Donc il a appelé les parents, la fille qui sont venus. Il a dit, bon, voilà. Et moi, j'ai demandé votre fille, elle était avec moi. Mais voilà mon cuisinier qui m'a tourné derrière le dos et il a fait son travail. Bon, or c'était un orphelin. J'ai pris les renseignements, c'était un orphelin de père et de mère. Donc moi je l'ai adopté. Maintenant qu'il a fait ça, moi je vais vous demander de lui donner votre fille en mariage. Bon. Les parents n'ont pas refusé, ils ont accepté. Leur anarchie est pour ainsi dire écrite sur le terrain. Et on la pressent en constatant qu'il n'existe pas dans ce pays de village proprement dit, mais seulement des habitations isolées, jetés au hasard autour des points d'eau et près des terres fertiles, semblant se défier à portée de flèche, avec leurs terrasses crénelées, leurs portes étroites et leurs meurtrières. Thank you.
ala wa tiafo afa ne gberka domateu na mafu na juya da kun ju afu bon décembre 21h. Départ du groupe mobile pour Domathéon. Distance à parcourir, 10 km 500. Nuit très claire et froide. À 2h, le brigadier Samy, des gardes de cercle de Batier, et le chef des partisans Ali, qui connaissent bien la région, estiment que le groupe est à moins d'un kilomètre de Domathéon. Ils engagent le capitaine à ne pas pousser plus loin avant le jour, craignant que les chiens ne donnent l'alerte. À 5h, ordre est donné de réveiller les tirailleurs. La lune, qui vient de se coucher, fait paraître le crépuscule plus profond. On ne distingue rien à 50 mètres du carré. À 5h10, le silence est tel qu'un individu venant de la direction de Domathéon vient se fourvoyer presque sur la gueule d'un des canons et disparaît à l'un fantôme, les tirailleurs ayant la consigne formelle de ne tirer contre aucun isolé. 5 minutes après, des hurlements se font entendre dans Domathéon, suivis de sons de trompe prolongés. On distingue bientôt les cris des femmes, auxquels se mêlent les clameurs des hommes qui s'excitent entre eux pour marcher en avant. Les cris se rapprochent et apparaissent sur la lisière de la brousse à 700 mètres du carré. L'orna tamana baya yarba a sain ou don bébé ou ir ti tan nous pro pour adol teka tindim bata le poure c'est à dire l'or bala n'impala babenta. A garder ses bains d'un bébé à l'impère pour pas bon ou pas ou non au coquin. T'es même bloqué à l'impiété au coquin. Non, il n'y a pas de voir. A banni pien, il y a capitaine, nous, quand vous êtes de Breton. Quoi que vous n'avez pas de bernier à y. Bam, 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 on peut voir la zone. Quand on entend maman, quand on entend maman, bah, la sortie mande. Donc ma femme prend des rayons pour aller nous faire combat. À demander, tu en peux pas. Na bang bang, lié lié là na bang bang. À carfouka pour faire pas un jamana. Bah pas un jamana de bon y'a pas la tour ben. Kaba alati le gong a jamelo bah waza bah pour les sons ben qu'à demander. Ne pas y aller. Demander ne pas y aller quand on parle maman maman bah tour ben. Comment y aller bah. Nous avons dit que 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 nous Bon, quand y a professé pas mené, on va n'en pas. Bah, ton isoué, bah, pas y a une petite pluie. On fait n'importe quoi on y va. On fait pas barbare non, pas sorti. Bon, y a qu'à parler car kunzi. La faut pas y a pas y a coco na bagar. Y a pas y a bar, c'est pas le bon y a barba, y a pas samba. Bon, n'y a zoé quand on sort, tu y a pas pas bébé. Ne sais quand on brille, tu y es pas éveillé. C'est à performer par une candaro. Tu peux nous soigner. Bonne soirée. C'est à toi, bon.
yera mimi domana nerebe tira ha singa kambu bikuna mini wo domana min deme doma mi nene dira jire mi mene ya doma yera ko chuni da do nene yuwa se foka nyom biale agure ka dira do papiel yu dimbe wiye wiye doma we doma we ye dira jingba ye dira wi doma ah doma we ka je mi mi ni nga doma na ko cho cho cha 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 nana cha se fre ka nyom bi mama dira hu ni ni yu ante doma ma ka yin se biel ka ya doma tika yi ji biel ka ya doma wi ye we 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 ye ye L'annonce d'une prochaine levée de tirailleurs sur des bases aussi étendues qu'en 1916 n'a amené aucune perturbation dans la vie normale des indigènes. La société noire se prête d'ailleurs, par sa constitution même, à notre action sur la masse. Sauf dans la région du Lobi, où les populations sont imbues d'individualisme et d'indépendance, et font même preuve, parfois, d'un esprit anarchique. J'ai en train de chercher les numéros matricule des anciens combattants qui sont libérés de l'armée française et qui ne vivaient plus. Nous n'avons pas les numéros, on n'a pas d'autres livrets individuels. Il fallait chercher ça dans les cahiers de recrutement pour le retrouver. Je suis porté. Numéro matricule 23836. Pour m'attraper la main française, le 4 février 1938. Moi, je suis de la classe 45. Jusqu'à nos jours, alors, je vis, mais mes compatriotes, alors, nous sommes deux seulement qui restent. Nous, quel est le repas ? S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas trouver nos camarades qui sont morts, on ne pourrait pas les avoir. Bien vrai que vraiment ça a devenu débraillé, c'est pas de notre faute. Kipi. Cache qu'elle, pour ma blette. Godache, pour une terre. Les trahirs qui sont morts, ils sont morts pour la France. Ils ont dit que nous sommes de même. Et en détail, nous ne sommes pas de même. Parce que quant à nous, alors, si nous sommes morts en France, là-bas, on enterre là-bas et la pourriture, c'est fini. Ça, c'est pour la préparation du coutume de Lobi.
Oui, parfois je m'en vais quand même voir les camarades qui sont libérés, qui sont morts, qu'on a enterrés au cimetière ici. Je parle des fois pour faire une petite prière pour eux. Les Français abandonnant les Africains, moi de mon côté, comme je vis, nous étions au moins 60 bonhommes et aujourd'hui nous sommes deux qui restent. Et nous n'avons rien. Moi, pourquoi je n'entends pas très bien? Parce que je servais de l'artillerie à ce temps-là, j'étais infirmier de l'artillerie. Ah, infirmier, on t'appelle là. Moi, je fais que va et vient seulement. Mais Dieu m'a sauvé et je n'entends plus rien. Maintenant, je suis sûr, si on parle, si la personne ne parle pas fort, je n'entends pas. Et quand je parle à mes enfants aussi, ils sont fâchés parce que je parle fort. Mais moi, je crois que tout le monde est comme moi. Voilà pourquoi. Mais la France ne s'occupe pas des Africains. Moi, je peux bien le dire. Je ne me casse pas. Moi-même, je suis en souffrance. Et je sais que ceux qui sont morts, ils ont la paix. Ils ont la paix aujourd'hui parce qu'ils ne souffrent plus. Ils ne savent pas ce que la France est en train de nous faire. Carl du Chevalier Munter. Voilà. Pantalon militaire aussi, toujours. Ceux qui sont morts en France, là, qui sont morts en guerre, maladie et tout, on les a enterrés à la France là-bas. Bon, comment les parents vont faire? Personne ne peut quitter ici pour aller en France pour dire, bon, montre-moi la tombe de mon fils ou bien de mon mari. Ça ne pouvait pas se faire. Mais il fallait quand même que la France s'occupe des Africains au moins. Mais par là, alors, c'est lamentable. Voilà un verse, encore, Chouchou Munter. Bon, après, c'est tout. L'argent a rien, pas les soldats français dans mon pays, qui vient s'attendre dans mon pays. J'ai gardé les troupeaux à maintenant que je suis militaire. Vous voulez pas, c'est pas Atela, attelez-vous. Vous voulez pas Atela, Atela. Napoléon, bravo militaire. Pantanelli, laissez-les pas passer, mais passer, bravo militaire. Ah! Deux, t'as toi, aïe! Voilà. Les missionnaires ont beaucoup fait pour l'administration coloniale. Nous pouvons dire même qu'ils ont été des facilitateurs. Puisqu'ils parlaient de Dieu. Bon, nous sommes des animistes. Alors vous voyez, animiste et Dieu, vraiment, il y a une marge. Mais par les explications, ils sont arrivés quand même à détacher, n'est-ce pas, un certain nombre. J'ai accepté de les suivre. N'étais pas heureux. Même à présent, je ne suis pas heureux. Mais comme je crois en Dieu, je fais toujours ma prière. J'attends le jour de ma mort. Voir ce que Jésus va me faire. J'aimerais que nous essayions de voir ensemble la vraie et la fausse spiritualité. La vraie et la fausse spiritualité.
Parce que vous savez que nous vivons aujourd'hui une période très difficile de l'Église. Le Seigneur travaille et l'ennemi aussi travaille, n'est-ce pas? Là où le Seigneur travaille avec son peuple, nous constatons aussi que l'ennemi essaie de s'infiltrer et de travailler. J'ai appris à ne pas faire du mal, ne pas chercher la femme de quelqu'un, ne pas voler. Tout ce qui n'est pas bon devant Dieu, le paradis, si Dieu vous met à sa droite, c'est qu'il vous aime. Donc, vous avez un peu de tout, tout ce que vous voulez. Ah, l'enfer, c'est un feu vraiment qui ne s'éteint pas. Le plus important, on est sur cette terre, on est de passage. Donc le plus important, c'est de faire en sorte d'accéder aux ancêtres. Et cela passe par des tas d'initiations. Dunya ane lahara dunyara, ame bara minate, nobo bana fanel bo traverse vis-à-vis. Takana yer tar hal biyerente snogo. A dire ka ban waka mebi na yan. Abu ke chugumi kwa na dire ka nin ka jini boka mi hali ibe to abu ibe farfin ni ka nin jini mi ka ba fan be traversel ni na na kana u ke badara ka ba problem fo ite ambe traversel dobe ibe dorme kelen dorme saba sarmugu ni bi saradon sarmugu e ba be yana comme faute à cela quand les juges disent oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Et monsieur les juges, tout simplement pour vous demander si celui-là c'est un français. Je dis vous, si c'est un français celui-là. La salle était. Tous les Européens étaient devenus rouges, citron. Alors le juge m'a regardé, dit oui, c'est un Français. Et après, il dit comment? Un Français qui ne sait pas parler français? Il dit un Français qui ne sait pas parler français? Alors, c'est comme ça que si je savais que vous alliez dire des bêtises comme ça, je ne vous aurais pas donné la parole. Et bien, qu'on l'amène. On a quand l'amener en prison. Comment amener en. J'ai eu 18 mois de prison pour ça. 18 mois. Tous les deux, c'est notre père adoptif. Et c'est un homme qui est né avec un tempérament bien connu. Gros travailleur et très discipliné. Il a acquis ainsi l'admiration de tous les commandants qui travaillaient avec lui jusqu'à l'avènement de la politique et était toujours bien noté. Mais quand il s'agissait de lutter contre la décolonisation et pour le travail forcé, la suppression du travail forcé, alors les choses ont basculé. Il s'est levé contre des principes qui l'ont conduit en prison. Une fois, deux fois, trois fois. Il totalise 5 fois la prison. Et en numéraire, on compte à peu près 7 années. Il a fait 2 déportations. On l'a déporté pour ses prises de position. Et 2 revocations. On l'a chassé de l'administration. Et tous ses enfants que nous sommes avons été exclus de l'école pour le comportement anti-français de notre papa à l'époque.
Par exemple, on vient imposer des impôts de capitation. Chaque contribuable doit donner encore quelques mesures d'or, quelques grammes d'or, 20 grammes d'or. Ben, et puis on venait prendre les enfants, les femmes, pour aller faire des travaux sans rémunération. Et puis les mettre dans l'armée, sans leur volonté. Les expatriés allaient travailler en Côte d'Ivoire, au Dahomey, au Sénégal, au Mali, même le Niger. Mais alors, comment on peut accepter des choses comme ça? Les gens ont tout perdu à cause de cette injustice-là. Ils ne sont pas prêts à oublier ça. Même ceux qui vivent encore, qui ont été handicapés, sont toujours marqués. Et des gens qui ont perdu leur vie, les familles sont là, qui sont marquées. Ils ne peuvent pas oublier ça. Nous, on a perdu notre frère. On ne peut pas oublier ça. Djéhouli, l'avion, ils ont été brûlés. Pour la simple raison que l'Européen, à l'époque la France, ne voulait pas semer des graines de communisme en Afrique. Ça, c'est le lever ou le coucher des couleurs, 6h, 6h. Lever du soleil, coucher du soleil, et réveil matin pour être sûr que c'est bien 6h. On sonnait. Il y avait une sonnerie de clairon qui retentissait. Il n'y avait personne. L'administrateur n'assistait pas. Alors, quelquefois, il y a un type qui passait. Si c'était un ancien militaire, il s'arrêtait, il se mettait au garde à vous. C'était un spectacle très étrange. L'indépendance a apporté un changement en Afrique, au Burkina Faso ici. Parce qu'aux premières heures, c'était les applaudissements. Nous sommes nous-mêmes, nous prenons des décisions nous-mêmes, nous faisons nos choses nous-mêmes. Mais après, nous sommes rendus compte que nos partenaires d'hier ne voulaient plus nous tendre la main. Tellement, ils ne voulaient plus. Le véhicule, ça nous a beaucoup aidé aussi. Entre-temps, on a garé parce qu'il y a plus de défaut des pièces. Raison pour laquelle qu'on a garé. Mon dernier choix, c'est d'aller au paradis. Et non en enfer. La colonisation n'est pas terminée. La colonisation se manifeste sous d'autres formes que vous n'ignorez pas. Il faut encore des centaines d'années pour que l'Afrique se libère de la colonisation. Si nos partenaires acceptent de nous aider dans notre développement. Oui. Il faut qu'ils s'engagent à nous aider. Thank you.
Tama ke min choni al toi e me père hari e si ben sans no ke nandino ere ke e contente no ko tuna mon ke o ko ke ni ku na dablu e do kor kor ye mon ke tiblan in soni asa do tibla sa do loba won do cho di ho no ma hasi dati mile ma père har ben sans nandino na avaji era fe contente no tuna faji ere facho ni no faji ere facho ni to di ere ina di wieldi C'est un vieux, il ne peut pas cultiver, la terre est sec et la pluie ne tombe pas et il se débrouille un peu pour manger. La blanche est venue pour lui amener en Amérique, il veut le sauver. C'est la maison des blancs comme ça, c'est la voiture des blancs, c'est le vélo des papas comme ça. Il va le sauver avec l'argent. Si la blanche ne vient pas pour le sauver, il va mourir. Mmh.
Bon, ban para ne bena ma tupa bena e chande na ko fa ne fa dal ki be ba jiyo aha a ki ni beri ki ne be bin bin an noy bon na mun ben be an na pla lo ma mu bi bal ma jor ko mu bi do war ka wa shama shor lo kala ma ba dal wala a ko na bo a jeb bum a man pito a ba do ye en ko chon ben bin an noy bon fa ni ken bi yoro ma bon de ko lu dabulla hanure ngora singbe ekier fedia cheke benjanake chekulie hanie mimini ekiera ne hani etier ukage ejiera ukage adutel ngbenire edira daka aku mamadia osira kan sepa dabulla sedana ekier telefo chebre adu ola nobiel awen ton ora on ton nake ya sheron tan wala bisa na bibire ka uburu kali da shege kire wala ni do bibisa ha irin kpara won ji un ha o ka tiran ji se pa shi ina tiran ji bi un mi ni ne me ko wa bu ne ni da ke ira sin ko demo ina pifio se bi entre pun kure a ki jambir di to se do torek etone de irak ene bon de ni du biker en a soy mamadi lo fare sa du no biela soy khala la khamwa y khan darne a kome so du ga da mon tu e ha dana o te ane abba por kuya pure dolo konteni sapun na hanno bo mo se pan ka gisangale tali 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 sin tene fo si ku ya si de tu 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 ire han kerke u bawo da Thank you.
Vous voyez comment ils sont accoutrés pour réaliser leur danse. Les danses n'ont pas évolué, mais ils ont un accoutrement qui tient à la fois de on a l'impression que c'est un accoutrement de comédien. Ils portent toujours leurs arcs, leurs carquois sur des habits. Donc, ils s'adaptent. Mais en ce qui concerne leur propre vie intérieure, leur rite, tout ce qui les rattache à l'au-delà, tout ce qui fait leur histoire intérieure, ils ne changent pas. Je pense qu'un peuple ne peut pas survivre sans ça, sans son identité fondamentale. Et si les lobbies ont survécu jusqu'à présent, c'est grâce à cela. Parce que déjà, le monde moderne est très perturbant. Et très souvent, les Africains ne savent plus ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont tellement pris de l'Occident qu'ils ne sont plus Africains parce qu'ils n'ont rien appris de leurs parents. Parce qu'ils sont allés à l'école et ils ont tout jeté, tout ce qui concernait l'Afrique. Ils n'ont pas assez bien appris des Européens, parce qu'ils ne peuvent pas être Européens, même si on sait très bien lire. Oui, même si on est un grand médecin, un grand professeur de médecine, on ne peut pas être Européen. Et ils ont tout jeté des Africains, ils ne peuvent pas être Européens, ils sont perdus. C'est le grand drame de l'Afrique actuellement. Et on ne peut pas en vouloir au lobby de tout faire, de se battre et d'essayer de s'adapter pour ne pas disparaître. Thank you.